Together. Sweden, French, yes. We sit. Bye. Fin de saison, j'ai eu un coup dur avec une blessure aux deux genoux à Auray. Il m'a fallu un peu plus de temps pour récupérer. J'ai dû repartir en réduc en fait au début. Et puis au final, j'ai pu quand même m'entraîner comme il faut. J'ai tout mis de mon côté pour faire une bonne préparation physique cet été. Je pense qu'elle est pas loin d'être dans les meilleures. Donc peut-être que cet hiver, ça payera. En fait, on est au départ, on va chercher un résultat. Donc je vais tout faire pour. À Solden, on va dire que je risque pas grand chose. J'ai jamais fait de deuxième manche, donc ça peut que être mieux. Donc j'espère que ça se passera vraiment dans le positif cette année. Moi, je suis pas comme ça, moi. La marque à 4 lettres. Moi, je suis pas comme ça. Blanc, quoi. Je suis pas comme ça. Ah, le début de saison, pour moi, c'est toujours difficile. J'ai de la peine à me mettre dans le rythme. Et puis, peut-être qu'avec un petit peu d'expérience, j'arrive gentiment à le faire. Après, les autres années, les étés ont été toujours un peu plus compliqués. Et puis, au niveau de la santé, du physique. Et là, cette année, l'année passée aussi, on a vu en début de saison un peu de peine. Et puis ensuite, j'ai réussi à me débloquer et puis tout s'est bien passé. Donc j'espère cette année réussir à me lâcher plus vite. Et j'espère que ça se passe déjà ce week-end. Après, si ça ne vient pas tout de suite, je ne vais pas me mettre en stress. Je sais que je suis capable de skier. Il va falloir peut-être juste un petit peu de patience. Déjà l'année passée, on a vu que quand j'étais au départ et à l'arrivée, j'étais souvent dans le top 15. Donc j'aimerais vraiment consolider cette place parce que sur les 17-18 courses de l'année dernière, je pense que j'en ai loupé un tiers entre blessure et Covid. Donc là, surtout début de saison, pas pris de qualif. Donc là, cette année, c'est vraiment le but d'avoir plus de régularité, de pouvoir montrer que je suis capable de skier dans le top 15 de plus en plus souvent. Et puis après, pourquoi pas aller chercher plus vers l'avant. La Coupe du Monde se resserre de plus en plus, on est beaucoup plus à pouvoir prétendre à un podium. Il va vraiment sortir les courbes et puis faire deux manches impeccables pour pouvoir réussir à aller chercher cette place sur la boîte. Ah, le Super G, j'ai mis les skis à l'entraînement, c'était super chouette, ça m'a vraiment plu. Après, j'ai beaucoup à apprendre dans cette discipline. Je pense que ça peut me faire du bien pour le géant, même aussi pour le slalom, mais déjà de sentir la vitesse, d'avoir plus de temps entre les portes, mais en skiant plus vite, c'est quelque chose qui me fait du bien. Derrière, en géant, j'ai pu enchaîner des belles journées. Et en course, il va falloir attendre, mais à l'entraînement, j'espère pouvoir l'intégrer de plus en plus.